Le ministre du Commerce a échangé récemment avec une délégation d'hommes d'affaires chinois en trame de fond les questions liées à la construction d'un parc d'exposition à Libreville. Georges Kombila-Komila et Gérard Magnania nous font le point. Autour du ministre de l'Artisanat, des petites et moyennes entreprises, les responsables du groupe COVEC, spécialisé dans le BTP, ont planché sur le projet de construction d'un centre d'exposition qui mettra en avant les produits made in Gabon. Ça sera un centre moderne, multifonctionnel. Il y aura non seulement un centre d'exposition, il y aura un centre d'affaires, il y a des aires de loisirs, il y a un hôtel, des restaurants, il y a tout ça. Ça sera même une petite ville dans la ville de Brazzaville. Le patron du département du commerce revient sur la nécessité de ce projet. Nous sommes membres de l'AGOA et l'AGOA veut avoir les produits gabonais, mais souvent il y a des produits mais que nous ne connaissons pas qui les produits et qui sont ce qui l'on doit mettre en avant. Et nous vous dit les questions que nous réalisons ces centres pour mettre en avant le Made in Gabon. Il est important que nous fassions un endroit qui soit un endroit beau, un endroit qui donne envie aux exposants de venir exposer leurs produits. Un projet de grande envergure dont le site ne sera tardé à être dévoilé au grand public et qui verra le jour dans quelques années afin de valoriser davantage nos produits locaux.